Choose your character! Oh, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 23 sur Dishonored 2 pour maintenant mettre une grosse patate enfin à la fausse impératrice, à la méchante, à la connasse d'Elila Copperpoon. Alors, c'est parti, nous nous retrouvons ici, rappelez-vous-en, dans un... J'ai pas envie de dire Dunwall, mais bon, c'est Dunwall, oui, c'est ça, c'est Dunwall. Voyez-vous, on donne les commandements à une connasse, et voilà ce qui arrive dans tout le lieu, voilà, c'est la merde, pas possible. Il y a des molosses et tout, c'est... voilà. Bravo, hein, franchement, c'est magnifique, ça c'est beau. Ça c'est beau, alors attendez parce que j'avais vu tout à l'heure un molos, parce que j'ai juste fait un petit repérage de quelques centimètres ici. J'ai vu qu'il y avait un petit molos. Je sais pas si je peux l'atteindre d'ici. Oh, la tête. Ouh, la tête est belle. Ouh. Ouh, là, franchement là je l'atteins normalement, attention c'est flou mais je l'atteins. Oh, regardez ralenti. Oh mon dieu ce suspense. Oh il a été sauvé par le petit bout là. Le petit truc lui a sauvé la vie, je suis deg. On recommence. Putain, mais y a des chiens, ils sont sauvés. Oh, y en a encore un. Y en a encore un, c'est son cadavre. Voilà, Kat sera content de cet épisode. J'ai tué les chiens. Bon, par contre, c'est un peu dégueulasse. Parce qu'il y a un... Bah, tiens, je récupère un carreau d'arbalète. Et tiens, le chien là-dedans. C'est un peu dégueulasse. Parce qu'il y a ce chien là qui a été sauvé par ça là, par ce bout de métal. Je sais même pas ce que c'est un truc de cuisine, un truc comme ça. Mais sinon, ça aurait été stylé, franchement. Si je l'avais, franchement, on va dire que je l'ai eu quand même. C'est juste parce qu'il y avait ça là de merde qui l'a sauvé quoi. Mais c'était stylé ce ralenti. Je savais bien que je pouvais faire des ralentis, mais après il a pas voulu en faire d'autres ralentis, c'est dommage. Parce que j'ai été repérèche un petit peu par les chiens. Enfin, repérèche. Ils ont repéré le carreau qui a tapé contre ce putain de... Il est parti où? Ah ouais, c'est ça, fuis. Il a eu peur. Ah, ce truc-là. Mais sinon, bon, en tout cas, ça commence plutôt pas mal, cet épisode. Et merde. Corvo, t'as rien à dire sur ces pauvres gens? Est-ce que je peux les détacher? Attends, je voudrais pas leur couper la tête non plus. Je voudrais bien les détacher quand même. Ah non, c'est une corde en métal apparemment. Putain, franchement, ça doit faire très très mal quand ils sont morts. Non, en plus, non seulement ils sont morts d'étranglement, mais aussi de tête, du coup, arrachée quoi. C'est vraiment dégueulasse, les pauvres. Ça devait être des partisans de l'impératrice, la vraie impératrice, la petite Emily la sage. Et franchement, c'est dégueulasse de faire ça parce qu'ils aimaient la petite Emily quoi. Peut-être pas, hein, peut-être qu'ils méritaient leur sort, mais bon, vu la connasse de... Ah, il y a des gens qui parlent là. Vu la connasse de Delilah, hein, je pense pas. Oh, mais attends, il y a un truc en dessous. Ah, mais il y a des gens ici. Oh, mais il y a un monsieur ici. Bonjour, un petit cala. Un petit bisou. Voilà. Oh, mais monsieur, vous aviez de l'argent. Je sais pas pourquoi je vous ai porté alors que vous avez besoin de quoi. Oh! T'as bien étudié 6 ans à l'académie. Oh, merci monsieur. Va te faire foutre. Ou ça parle mal en bas. Oh, merci monsieur, le pognon. Le pognon est là dès le début de cette vidéo. Mais ça commence bien. Bon, alors ça veut dire que ça va être la merde plus tard, Snake. Tu connais les bails. Quand le jeu il t'offre des trucs comme ça, c'est que le jeu après il va être pipute. Ah, on le sait. Hein. Ah, d'accord, c'est. Putain, oh, mais tout ce pognon. On avait déjà été ici, hein. On retourne à Dunwall. Rappelez-vous-en, l'épisode de tout début. Premier épisode. Il y a cela. Alors le maintenant, rappelez-vous-en aussi que j'ai l'âme de Delilah dans ma possession. Alors attendez, juste petit sauvegarde de la lâcheté. Hop là. Un petit câlin. Voilà. Et lui je le prends avec moi. Est-ce que je peux remonter en là-haut discrètement? Est-ce que je peux... Oh oui, je peux aller jusque là. Yes. Personne en haut, personne. Je vais le promener avec moi, je le mettre avec son pote. Mieux avec la nouvelle impératrice. Mais c'est encore pire.
Ils ont plus rien à voler. Oh, c'est, en plus c'est pire, y a plus rien à voler. Ah bah voilà. Vous avez vu la connasse? Elle permet pas aux gens de voler dans les boutiques. Alors par contre, si je mets LKO, est-ce que l'autre devant va s'en rendre compte? Sauvegarde de la lâcheté parce que maintenant j'ai peur avec le jeu. Alors je vais essayer. Hein. Je pense que l'autre en face va se retourner. Il y a c'est du 50-50. Ah bah non. Ah excusez-moi, j'ai mal parlé. J'ai envie de remettre le. Bon attends. Hop. Oh ça va, il a rien entendu, il a pas entendu sa copine faire. Non, ça va. C'est bon ça, des gardes un peu sourds. Par contre, j'ai envie de le mettre ensemble. Alors, excusez-moi, voilà, hop, je passe par là. Alors rappelez-vous-en, on avait déjà été ici, on avait volé. On avait mis 3 gardes ou 2 gardes KO ici. Dans l'épisode numéro 1. En même temps, on retourne à Dolwall. C'est un petit peu normal qu'on va dans les mêmes endroits, Snake. Quel con je suis. Oh, du pognon, mais j'aime bien ça, moi. Putain, ce début de vidéo est magnifique. Bon, alors attends, parce que faut que je me concentre. Ah, il y a des planches là. Tu moi je suis un gentil. On met les copains ensemble, voilà. Et en plus ils sont tous en train de ronfler. Bonne chance pour bien dormir. Hein. Bon, alors ça c'est fait. Snake a fait un peu un truc stylé. Parce qu'au début il a failli faire un truc stylé, mais le jeu lui a dit non parce qu'il y a un putain de truc qui a bloqué le carreau de mon arbalète. Oh pardon, excusez-moi, ça fait un moment. Ah putain, c'est super addictif ça. Il y avait rien ici. D'accord, il y avait rien ici. Je suis déçu. Mais là il y a du pognon quand même là-dedans. Ah, il y a même pas de pognon, regardez. Putain, mais c'est. Ah, c'est triste. Ah, des caisses enregistreuses vides, Delila. Saloperie, je te hais. Il y a plus d'argent maintenant dans les caisses. Alors attends, par contre. Là il y a de l'argent quand même dans les coffres qu'il y avait ici. Bon, ils étaient un peu remplis la dernière fois. Il y a plus d'argent, il y a plus rien. Ah merci, j'avais pas vu le pognon, putain, la première fois que je vole pas le pognon. Ah, pour une fois que la vision des thèmes me sert à quelque chose. du coup il y a rien là dans les coffres, il y a rien, des coffres vides quand même. Attendez, du coup. Ah oui, là ça mène là, on va fermer la porte. Je voudrais juste voir est-ce que je peux. Ah si, je peux quand même épier à travers la. Alors qu'il y a les planches, ça va, les planches, oula. Ah si, les planches coupent un petit peu mais ça va. Et je reviens ici, d'accord, ok. C'est juste pour savoir. Et bon, je vais quand même m'occuper de ceux qui étaient derrière. Parce que j'ai envie de taper des gens. J'ai envie de m'entraîner. Voilà, on va s'entraîner un peu. Pardon, excusez-moi, je suis perdu, ça y est. Oui, j'arrive à me perdre avec. Attends, comment j'ai fait pour. J'ai failli louper ça quoi. Oui, je sais, j'arrive à me perdre avec 5 cm carrés d'endroit. Mais c'est Snake 5030, je vous le rappelle. Je suis mis la porte sur la gueule. L'odeur de pisse de rat dans l'air aujourd'hui. Ah. En même temps, il y a que ça des rats. C'est un peu normal qu'il y ait de la pisse de rats partout. Par contre, ah ouais. Je peux pas passer par là parce qu'il y a des pics. Ah bah bien évidemment. Il y a des gens ici. Coucou. Il y a une dame là. Attends, on va se cacher derrière l'arbre. D'accord, il y a une dame là et j'ai vu qu'elle parlait avec un mec tout à l'heure. Hein. On va pas m'avoir et en plus je m'en souviens. Un petit bisou madame, joli chapeau melon. Vous êtes la soeur jumelle de la femme d'à côté que j'ai mis KO? Oui, j'ai l'impression. Alors excusez-moi, alors si vous êtes sa soeur jumelle là. Merde, pardon, excusez-moi, j'ai fermé la porte. Voilà, ensemble, voilà. Ah, vous avez pas la même tenue. Ah mais c'est les soeurs jumelles hein. C'est les soeurs Olsen. C'est les soeurs Olsen de Dishonored. Putain, y'a que les vieux qui comprendront cette référence. Oh putain, je suis vieux. Hashtag boomer. Hashtag putain de scooter qui passe devant ma fenêtre. J'espère que personne ne l'aura entendu. Attendez, il y avait un mec, j'en suis sûr qu'il y a un mec ici. Ah voilà, c'est parce qu'il est un petit peu loin. Oh mais monsieur, vous avez un beau chapeau. Vous êtes le chapelier fou de Alice au pays des merveilles? Apparemment non. Bon allez, je vais remettre avec les autres. Mais arrête, mec, arrête, c'est chiant, tu prends 3 plombes pour aller l'amener en même. Oui, mais c'est. Ah ouais, c'est marrant. Eh, gars, même lui, il a un beau chapeau. Il a un beau chapeau, je le mets sur le matelas.
Bon, un matelas un peu pourri, mais un matelas quand même, voilà. C'est le seul. Parce que je suis gentil, il avait un beau chapeau. Bon, alors, par contre, c'est pas tout, faut que je vole leur pognon. Oh, mais c'est bien ça, ça commence avec le pognon. J'hésite à appeler cet épisode le pognon. Ça n'aura aucun rapport. Oh putain, hey, j'ai toujours pas essayé de lancer une bouteille à la gueule à quelqu'un. Parce que maintenant que j'ai augmenté ma force, rappelez-vous-en que apparemment je peux mettre KO des gens juste en leur balançant des trucs à la gueule. Alors ça sert à rien de venir ici, à part juste voler des gens. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça, c'était juste pour voler les gens. Je sais pas à quoi ça servirait d'aller là. Bah si, peut-être faire ça. Bah même pas, tu peux même pas atteindre. Ah quoi que si, tu peux atteindre là. Oh non. Oh putain, je me suis cassé la gueule. Ah mais non, j'avais fait double saut et je pensais que... Bon d'accord, ok, bon bah c'est pas grave. C'est un fail, de toute façon il fallait bien qu'il y en ait un. Et on fait tourner le globe. Ah, la porte est bloquée, d'accord. Il y a sûrement des planches de l'autre côté qui bloquent. Oh bah attendez, hop, on passe par là. On passe par là. Monsieur, vous allez bien? Ah, ça boit, hein! Ça noie son chagrin, hein. Tu m'étonnes avec des lilas pour impératrice. L'agent de la vraie impératrice, Emily. Ouais, la vraie! Les étoiles soient louées. Je me cache ici depuis le coup d'état. Je bossais au chariot avant que tout soit bouleversé. Je reviens tout juste. Comment ça se passe ici depuis quelque temps? Au début, il y a eu des combats entre les alliés de Delila et les troupes loyalistes de la garde urbaine. Ils ont essayé de barricader les rues. Pour protéger la tour. Et les superviseurs ont fini par arriver, menés par le grand superviseur en personne. Ils ont combattu les sorcières de Delila. Il n'y a pas d'autre mot pour les qualifier. Bah, c'est clairement les sorcières. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un superviseur ici. Quoi d'autre? Il y a eu des émeutes pour la nourriture, mais la plupart des habitants sont partis. Récemment, quelqu'un est passé en pleine nuit, avec un chariot en direction de la tour. On aurait dit des ossements. Probablement de baleines. Ah, on sait que les ossements de baleines, c'est pour les chariots. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Merci pour ces informations. Restez cachés encore quelques jours. La situation pourrait s'améliorer bientôt. La vraie impératrice va revenir sur le trône, moi je te le dis. Emilia la sage, tu la connais? Attendre, d'accord. Il attend. Bon, en tout cas, le monsieur est bien posé. Bon, bah tiens, il a une fiole de vie. On va le prendre parce que je me suis un petit peu cassé la gueule tout à l'heure. Par contre, tu me ranges tes armes, s'il te plaît. C'est un ami à côté. Regarde, en plus, il a rien dans cette malle. Super, il y a une malle où il n'y a rien. Mais par contre, il y a du pognon. Alors, c'est un ami. Monsieur, vous êtes un ami. Ah, bah, faut attendre. Oh, c'est quoi ça? C'est une bouteille. Je sais pas vraiment ce que vous voulez faire, mais j'ai ma petite idée. Bonne chance. Bah, je veux mettre une grosse patate, tu le sais? Oh, il sait que je veux mettre une grosse patate. Alors, excusez-moi, parce que là, il y avait un secret. Hop. Il y avait les clés. Voilà. Je devrais aller voir le docteur. Je crois pas que ce soit censé suppurer comme ça. Oh, c'est dégueulasse, monsieur. Un peu de puce, ça. Je veux pas le savoir, je veux pas le savoir. Je veux faire cette porte, je veux censurer. Alors, c'est les clés pour passer en dessous du magasin de la boutique clandestine. Et vous savez bien ce que ça veut dire juste après. Vous aurez un live sur la boutique à voler. Un cambriolage. Oh oui, un cambriolage en live. Je sais que vous aimez ça quand je cambriole les gens. Je le sais. Merde. Oh, pardon. Putain, cette poubelle fait beaucoup de bruit et elle vole beaucoup. Je sais que vous aimez ça. Moustique, il m'a dit, ouais, c'est que j'adore quand tu voles les gens. C'est pas vrai, en fait. Il a dit, franchement, t'es pas sympa, des fois tu voles pas les gens. Je m'en fous, faut pas le savoir. Ils le méritent, ils avaient du pognon, c'était à moi. Ah, mais c'est qu'ils ont travaillé beaucoup. Non, c'est des boutiques clandestines, ils travaillent pas. Oh, putain, par contre, ce tableau est magnifique, je le vois rien chez moi. Même si je suis pauvre. Oh, mais il y a beaucoup de machines à écrire. Ça, c'est mon poids faible, ça. Pourtant je me retiens, il y a des épisodes où je suis passé devant. Vous avez sûrement vu mais j'ai pas tapé dedans. Putain cette poubelle. Putain Corbeau faut pas qu'il fasse du foot parce que ça ferait Olivier Tom quoi. Quand il tire ça fait les tirs du tir de Mark Landers, ça brise des vagues et tout, ça défonce des rochers. Des brisages de tibia et tout en bonne forme. L'impératrice et le protecteur royal sont disculpés. Ah bah oui, tu m'étonnes qu'on est disculpés parce que je rappelle que il y avait le tueur de la couronne, il disait que c'était Corvo et tout ça, et que c'était l'impératrice qui avait donné la petite impératrice qui avait donné les ordres à Corvo. Mais non, maintenant on est disculpés, maintenant qu'ils savent que c'était Delila et le duc Abel qui sont derrière tout ça, que c'est des connards. Ah, on s'en mord les doigts maintenant les gens. Hein.
Ah, maintenant les gens ils sont. Ah bah merde, alors en fait ils étaient gentils depuis le début. Pourtant, l'impératrice, la petite impératrice Émilie, enfin la Émilie la Sage, elle a fait des trucs. Bah elle a fait des trucs bien, hein. Elle a par exemple. Oh, du pognon! Putain, c'est un épisode à pognon quoi. Oh, un truc inflammable. La petite impératrice, je rappelle qu'elle a quand même desséché le quartier inondé. Hein, voilà, maintenant il est plus inondé du tout, c'est déjà pas mal, ça refait des emplois et des maisons de plus. Mais bon, ça, à part ça, tout le monde s'en fout de la vraie impératrice, préfère. Hein, ça m'énerve les gens comme ça, tu sais. Parce que ça y est, il y a une rumeur comme quoi le tueur de la couronne ce serait Corvo, tout le monde y croit quoi. Alors que Corvo il a sauvé tout le monde dans 10 ans. Franchement. Là, qui êtes-vous? Attendez, Seigneur Corvo. Oui, c'est moi. Un poste. Ah, possible, merde, je t'ai coupé la parole, je voulais faire carré pour ranger mon arme. Je suis rentré chez moi à Cerkonos pour demander des comptes à ceux qui ont aidé Delila dans par son contre, coup d'état. Ton tableau est très glauque avec lui, la chouette. Vous avez réussi? Oui. La situation est désespérée ici. J'ai trouvé comment vaincre Delila. Je vais la renverser et trouver un moyen de remettre ma fille sur le trône. Eh, on lui dit c'est une excellente nouvelle. Tout le monde le sait, toi, maintenant, cet épisode. Vous avez mon soutien. Besoin de quoi que ce soit, je suis là. Une fois en sécurité, vous devrez informer la population. Si je sors victorieux, je vous inviterai à Dunwall Tower pour un entretien officiel. Bonne chance à Dunwall Tower. Il y a un peu d'écho quand même chez toi. Ou une pomme. Ça te dérange pas si je te mange ta petite pomme? Par contre, il était en train d'écrire sur une machine à écrire qui n'a pas de papier. Je ne sais pas comment ça se fait. Parce que pour moi, le papier, vous le mettez au-dessus et vous écrivez. Mais bon, tu sais pas comment ça marche, l'univers, Snake. Alors ferme ta gueule. Ferme bien ta gueule. Tu veux dire des conneries, t'as les gens dans les commentaires de mais si, ça marche comme ça, patati patata. Les habitants du quartier ont tous pris la fuite. Juste ça. Tout le monde a peur de Delila et de sa suite. C'est tes chaussettes? T'as mis tes chaussettes de côté? Parce que il fait un petit peu froid. C'est pour ça que ça pue dans la pièce. Par contre, j'ai envie de prendre ce truc de. Est-ce qu'on l'a lu ça, au fait? Oui, c'était le même truc. Il y a deux trucs inflammables quoi. J'ai envie de brûler un chien s'il y en a un autre. Parce qu'il y en a d'autres, vous le savez qu'il y en a d'autres, je suis sûr que vous le savez qu'il y en a d'autres. Alors à part contre, excusez-moi, mais moi je voudrais bien aller voler la boutique. Parce que non. Parce que sinon. Pardon, excusez-moi, je suis perdu. Ça y est. Ouh, on l'a déjà vu ce tableau en bas. Oui, ça y est, c'est ça, je suis perdu. Pardon, excusez-moi, my bad. Quand je vous dis que j'arrive à me perdre à 5 mètres carrés, c'est pas pour rien, bordel de merde! C'était vraiment tout droit quoi. Le mec il arrive à aller faire une bifurcation à gauche, tourner en rond dans une pièce pour revenir au même endroit pour aller devant. Attendez. Oh putain, j'ai défoncé la porte! C'est vrai que j'ai maintenant une super force à la Superman. J'ai défoncé la porte. Excuse-moi, j'ai un peu défoncé ta porte. Bon, tu m'enverras la facture quand Émilie, la sage. On reviendra sur le trône hein. Bon par contre excusez-moi parce que là on rigole pas du tout là. Il y a un moment ça devient sérieux cette histoire. Snake 5130 il en peut plus. Ça fait à peu près 20 minutes qu'il n'a pas volé quelque chose à la boutique. Il se sent mal, voilà j'ai récupéré les clés de tel. Derrière les bouteilles on l'avait vu. Alors c'était un petit mot qu'il y avait sous la porte qui disait qu'ils étaient cachés derrière des bouteilles voilà. Je l'ai fait en off juste avant de commencer cet épisode pour voir me repérer un petit peu voilà. C'est pas intéressant. Alors excusez-moi mais alors attendez voilà. Ah ça me fait chier parce que maintenant que j'ai le cœur mais que c'est le cœur de que j'ai l'âme de Delila, c'est elle qui parle, j'ai pas envie de faire parler le cœur, du coup on peut pas avoir d'informations sur les gens, surtout que Delila donne pas d'informations et elle se fout juste de ta gueule. On est fatigué madame. Attendez, je vais vous aider à faire dodo, bon, regardez. Voilà. Un remède contre l'insomnie, appelez Corvo Tano. Un câlin et vous faites dodo. Oh c'est pas mal ce slogan. Oh, eh, franchement hashtag hashtag ce slogan, mettez-le en commentaire. Des fois j'ai envie que mes commentaires ça vienne de n'importe quoi mais ce serait vraiment très 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 drôle. Un problème d'insomnie, appelez Corvo Tano. Avec lui vous allez faire dodo. Vous êtes sûr de faire dodo? Je me fais rire tout seul, putain de bordel de merde. Arrête putain. C'est chiant carré. Il pourrait pas faire qu'on puisse prendre en faisant laisser appuyer sur carré comme dans Borderlands où tu peux prendre tout ce qui est nécessaire. Hop, moi j'en avais besoin, c'est vrai que j'avais beaucoup utilisé. La clé? Si la clé de quoi? Clé de l'arsenal de la gare du Verne. Ah oui, je l'avais vu de la dernière fois, on l'avait vu dans le début de l'autre épisode. Par contre, t'avais pas de pognon genre? What? Mais vous êtes pauvre!
Bon, vous avez un truc là et à bouffer, mais bon, je vole pas de la bouffe, ça se fait pas. Ça se fait pas. Je vole que l'argent, moi. Putain, c'est tout ce que... Ah, franchement, je suis déçu, madame. Mais franchement, vous êtes le choix que le premier boutique à avoir pas grand chose, quoi. Hein. Ah, elle m'a déçu. La dame m'a déçu. Franchement, quelle marchande qui n'a pas d'argent chez elle. Dans sa boutique. En même temps, tu vas me dire à Donwald, c'est normal qu'il fait pas d'affaires vu la merde que c'est. Il y a plus grand monde dans la ville, je pense. Hein. Oh putain, mais comment elle a mis Donwald, putain. Dommage. Dommage. Dommage quoi? Corvo, tu finis ta pensée. Des rats! Bon, il y a Corvo, il a parlé. Genre là, pour une fois, j'aurais bien voulu savoir ce qu'il dit. Et il s'en. Bah en fait, il s'en fout. Oh, il y a un truc. Une patte de chien. Je vous entends, saloperie! Voilà. Bon, ok, alors du coup. En glissade! Mais il n'y avait pas des chiens ici? J'ai fait le jeu deux fois. Vous allez pas me faire. Vous allez pas m'avoir. Il y a des rats. Il y a des morts. Mais il n'y a pas de chien. Ah, ça c'est un superviseur, tiens. Ah ouais, ils l'ont dit que. Il l'avait dit, le mec du courrier. De la presse là. Que les superviseurs avaient attaqué Delilah avec ses sorcières. Contre les sorcières. Saloperie! Oh putain, je crois que j'ai fait un triple ou quadruple headshot. Enfin, headshot, quadruple tuerie. Putain, mais il y a des rats partout maintenant à cause de tous ces cadavres là. Déjà qu'on avait réussi à se sortir avec la peste. Et maintenant, il nous faut revenir les rats. Oh, fouillé. Elle avait la clé de l'appartement de Galvani. Ah, parfait. Alors, c'est lui Galvani? Je me pose la question. Alors Galvani, pour ceux qui s'en rappelleraient pas, c'est le marchand de tableaux qu'on avait volé dans les Discord. je crois que c'est lui le marchand de tableaux. Oh, non, ou alors c'est le docteur, je sais plus. Attendez, j'ai un doute. Attention visiteur, si vous venez voir le docteur Galvani, ah c'est le docteur, pardon, on l'avait volé quand même dans Discord 1. Rappelez-vous-en, même que Mamie Chiffon voulait qu'on rentre chez elle dans une quête secondaire, mais que je vous ai pas montré dans un parce que c'était pas intéressant pour voler, pour empoisonner un truc, je sais plus. Vous, oh, regardez du Lord, hein, merde. Si vous venez voir le docteur Galvani, autant vous allez vous acheter un billet pour Tivia parce que c'est là qu'il est parti. Ah d'accord, il est parti. C'était pas le docteur Galvani en bas du coup. Ce pauvre homme a dit qu'il avait peur de vivre dans une ville où la bâtarde d'une fille de cuisine peut poser son derrière mal dégrossi sur le trône. Ah comment ça parle mal de Delila? Oh j'adore cette femme. Oui, c'est une femme. Oui, c'est une femme qui parle. Et où le gang des chapeliers fait la loi à la place de la garde urbaine. Ah, bah, c'était vraiment des chapeliers. C'est pas moi qui pense ça, je fais que répéter ce que le docteur a dit. Mais il faut croire que les petits gens comme nous n'ont pas à s'en faire, vu qu'il a refusé de me payer un billet pour que je puisse l'accompagner. Connard. Si vous avez affaire chez lui, j'ai toujours la clé et je passerai faire le ménage une fois par semaine, mais ne me demandez pas de vous servir le thé ni rien. Oh non, la femme de ménage qui a tellement parlé mal à... Delila, attendez mademoiselle, c'est vous. Alors, attendez, je vais vous mettre quand même. Mais je vais vous mettre bien quand même. Attendez, je vais vous remettre chez Galvani déjà. Déjà, je vous mets là. Bon, il y a pas. Je suis désolé, il y a pas de matelas, mais je vous respecte, mademoiselle. Vous avez pas mal parlé de Delila et ça c'est bien. Nous sommes chez le docteur Galvani. On avait, je l'avais. Ah bah il y avait des pièges. Mais les pièges sont pas déclenchés, pourquoi? Parce que j'avais la clé. Bah non, ça n'a aucun sens. C'était dans le sens de... Bon, d'accord, ok. Bon, bah c'est pas grave. Alors. Oui, et il y avait le chiffre 451 sur le coffre. Je sais plus si je l'ai fait dans les épisodes 1. Je sais plus. Peut-être que j'ai fait. Peut-être que j'ai plus fait. Je sais plus si je l'avais fait. J'ai volé tellement de gens, je peux pas me souvenir de tout le monde que j'ai volé, hein. Surtout que dans l'épisode 1, je l'ai fait très très vite parce que j'avais pas de pouvoir. Rappelez-vous-en, j'avais peur. Et je fuyais beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup fui. Oh putain, mais il était. Putain, mais il a pris le pognon avec lui, docteur Galvani. Saloperie, va. Heureusement, il restait un peu d'argent quand même. Hop, et il y avait ça. Prends ça. Vous allez me dire, Snake, ça sert plus à rien, ton argent, t'es overcheaté, t'as tout acheté. Et alors? On sait jamais. Il faut. Après, faut repayer, hein, la construction et tout, t'as vu. Vous avez vu comment c'est le bordel maintenant? Hein? Hein, bah, c'est le bordel, il faudra réparer les routes, hein. Vous croyez qu'on va trouver l'argent où? Hein? Je vous le demande. Par contre, il y a le... J'ai pas compris comment ça se fait que ça a pas été...
déclencher le piège. Bon, alors par contre... Attendez, mais... Mais madame! Madame fume là-haut? Madame n'a pas peur? Madame, je ne sais pas comment vous avez fait pour être là, mais vous êtes sûrement une sorcière qui vous s'est téléportée. Désolé les gens, petit souci de son. J'ai mon audio qui... je vous dis, alors je vous explique ce qui s'est passé. Quand j'ai regardé la sorcière, j'ai regardé mon écran d'ordinateur et j'ai vu que mon audio, il était en pause, si vous voulez. Il bougeait plus, genre mon enregistrement ne... Je sais pas si ça enregistrait. Du coup, la phrase que je viens de dire là, tout c'est le bordel. Alors attendez, je recommence pour être synchro. Bas, haut. Voilà, excusez-moi, mais waouh! Putain, mon audio il fait de la merde en ce moment. Je sais pas pourquoi. Bon, alors du coup, je disais, cette sorcière qui fume là-haut, c'est sûrement une sorcière pour être arrivée là. On va l'endormir. Je sais pas pourquoi je fais ça alors que j'ai pris. Voilà, attendez, par contre, je vais sauvegarder. Ce que j'ai déjà fait tout à l'heure, je crois. Mais bon, je vais re-sauvegarder parce que j'ai peur qu'elle tombe en fait. Oh! Ça, c'est au moins du 20 mètres. Je sais pas combien de hauteur ça fait, mais c'était haut. Eh, franchement, hashtag Snake5130, il s'est tiré. Hein. Et je parle pas des femmes. Quoique, c'était une femme que j'ai oublié. Mais oh non, c'est une blague beauf ça. Du coup, faut que je monte là-haut. Hop là, attends. Voilà, 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 il fait tout noir. Ta gueule. Référence à. Si vous n'avez pas cette référence, c'est triste. Ouais, ah non, ça va, elle est pas tombée. En même temps, on l'a vu quoi. Maladame, je l'ai bien eu quand même. Bon, j'ai utilisé un carreau pour rien, mais je suis sûr qu'elle me repère d'assez loin, elle. Ah non, c'est bon, je récupère le carreau d'anesthésion. C'est pas mal ça. Par contre, c'est cette sorcière qui était toute seule là. Lettre anonyme. Je vous laisse lire, c'est pas intéressant. Bon. Alors là, le château est là. On voit que c'est la merde. Alors attendez, parce que là c'est le moment. Oulala, de faire le funambule. Le coffre doit pas être. Oula. Un coffre. Un beau paquet pour avoir l'info. Alors attendez. Je m'endors. Faut que j'arrête de passer mes nuits dehors et que je me couche plus tôt. Attendez, parce que je voudrais. Il est là. Ça sent le fric. Regarde derrière. Oh, ça sent le pognon. Moi, je le vois le pognon. Ouais. Alors attendez, est-ce que lui il est tout seul? Un petit bisou. Mouah. Voilà. Contre les insomnies, je le rappelle. Appelez Corvoitano. Depuis que c'est devenu le bordel, c'est une vraie mine d'or pour nous ici. Tu te rends compte que tu parles tout seul? Excusez-moi, je vais tenter de lancer un verre à la gueule du mec pour voir si ça le met KO. C'est de la tentative. Attendez, on va essayer. Bon non, ça marche pas, je suis déçu. Oh putain, j'aurais tellement voulu que ça marche. On voit qu'il bam, il se prend le verre, il se cogne contre le mur. Et en même temps, vous avez vu, le mec il a pas bronché hein. Je lui ai lancé un putain de verre à la gueule, il doit avoir plein de bris de verre dans la gueule. Le mec il se retourne tranquille. Ah mais qu'est-ce qui se passe? Il a même pas sourcillé. Le mec il est habitué à se prendre des verres dans la gueule toute la journée. On l'appelle Verman dans le métier. Bon allez, c'est fini. Si je balance un autre truc plus gros comme ça. Attendez, il faut que j'essaye. Non, attends, c'est des trucs en verre, ça marche pas. Non, c'est un petit verre aussi. Une grosse bouteille. J'ai envie d'essayer toutes les solutions. Mais franchement, j'ai augmenté ma force. C'était écrit que je pouvais apparemment mettre KO des gens en balançant des trucs. Bon, apparemment, faut que ce soit des trucs vraiment, vraiment lourds. Mais qu'est-ce que je peux balancer de vraiment, vraiment lourd qui peut endormir? Je peux pas porter de chaise. Je peux pas. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? À part leur lancer une pendule à la gueule, j'ai vu qu'il y a une pendule à côté. Cette pendule-là, je peux la prendre. Allez, au dodo. Par contre, les mecs, vous cherchez pas très bien quand même le coffre. Hein. Moi, je le vois. Bon, j'ai une vision des ténèbres qui m'aide, c'est vrai. Mais même moi, je le repère haut. J'aurais pas eu la vision des ténèbres, je l'aurais repéré. Quoi. Oh, tiens, c'est à moi. Oh, attends, j'en ai déjà assez. Une bouteille vide. Hop! Un baromètre que tu tournes et. Ta-da-da-da! Bon, je vous laisse lire en faisant pause, bien évidemment.
Et si ça, le gros piché là, j'aurais balancé, j'aurais volé devant lui pour le rebalancer dans la gueule. Oh bah cool, on a trouvé l'hôtel de l'Outsider. C'est magnifique. Bon, à 30 minutes de vidéo, moi j'ai 30 minutes parce que j'ai eu un bug audio, du coup j'ai fait pause pendant la vidéo. Bienvenue chez toi, protecteur royal. Re-bienvenue. Lila t'attend. Elle ne trouve plus le sommeil depuis. Oh bah je vais l'aider à retrouver le sommeil, tu vas voir ça. Tourmenté par le fragment d'âme que tu possèdes. Je rappelle qu'avec Corvoitano, on peut facilement faire dodo. Elle supplie de la retrouver. Elle ne peut résister à son appel, mais elle ne reculera devant rien pour t'empêcher de renvoyer son esprit d'où il vient. Tu as été prudent à Karnaca. Voyons si ça joue en ta faveur dans la tour, ou ton amour pour Jessamy l'aîné. Delilah a pris possession du trône et de ta fille. Mais elle a également un lourd secret. Elle est morte et tout ça, on sait, patati patata, on le connaît son secret maintenant. Oh, moi, c'est pour moi ça. En disant, allez, je mange une petite anguille parce que voilà, c'est la fête. C'est la fête du slip. Elle est très beau, par contre, alors je crois que c'est le premier réalisateur qui est très beau, qui refait penser à Dishonored 1, parce que dans Dishonored 1, le plus grand, il y avait cette petite lueur violette quand on trouvait des hôtels de l'Outsider. Je crois que c'est le premier. Après, je ne me rappelle plus des autres hôtels qu'on a trouvés dans le jeu, mais me semble-t-il que on n'avait pas ces petites lueurs violettes. Violette, violette, oh la violette. Ouais, attendez, on peut passer par là. Ah oui, là, il y a le truc de la garde urbaine et sûrement des trucs. Et là, il y a un putain de charme d'eau dans le côté là avec des sorcières. Et en fait, je vous explique ce que je vais faire. Je pense que je vais mettre toutes les sorcières KO dans cette vidéo. Ah, même si ça me prend des plombes. J'ai envie de faire une vidéo. En fait, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de faire une vidéo d'une heure. Alors, je pense que cette vidéo va durer une heure. Oula, ça risque d'être risqué un peu ce que tu vas faire, Snake. Alors, on va descendre un peu d'un cran. Parce que c'est un peu haut. Voilà. On va aller là. Voilà, on va marcher là. Tranquillement. Oh, on peut même aller là. Hop là. Et il n'y a rien. Il n'y a que Pouic. À part ça. Mais... Encore des gens pendus. Ah, des gardes. Mais ça devait être des gardes qui sont été pendus par les sorcières sans doute. Mais les gardes n'hésitaient pas. Alors c'est des gardes à moi. Mais il restait des gardes encore loyaux à l'impératrice. Je crois qu'ils les avaient tous tués dans l'épisode 1. J'ai pas compris. Ou alors c'est des superviseurs. Ah non, c'est peut-être les superviseurs, je suis con. Peut-être les superviseurs qu'ils ont tués pour leur infamie. Ah non, on reste. Allez, alors on peut aller dans le canal. J'ai envie d'avoir une jolie vue sur les cadavres. On peut aller sur le. On peut passer par plein d'endroits. Enfin, on peut passer par deux endroits, je crois, pour être exact. Pour prendre. Pour aller à Dunwall. Mais. Je pense que je vais passer par le canal. Mais d'abord, je voudrais fouiller un petit peu. Et j'avais dit que cette vidéo fera une heure, du coup je prends mon temps. Bon bah c'est bon, en fait il y avait pas grand chose hein. C'était un peu de la merde. Ah si, il y avait un papier. Oh putain, comment j'ai fait pour louper le papier. Ordre de défense des portes. Gna, on s'en fout. Bon, il y avait rien d'intéressant, ça veut dire. Encore des cadavres, toujours des cadavres. Et des rats. Pardon, excusez-moi, je vous ai pas coupé monsieur, mais en même temps vous êtes déjà mort. Je me souviens de la première fois que j'ai visité cet endroit, il y a si longtemps. Bah vas-y, raconte, Corbeau. D'accord, mais pourquoi une fois que j'ai envie que tu parles, bordel de merde. Corbeau, des fois, soit il parle trop, soit il parle pas assez. C'est fou, ça. Genre, ils veulent donner le suspense. Est-ce que tu veux en savoir un peu plus? Un petit peu? Non, tu t'en sauras pas plus. Allez, hop. Ah tiens, on pouvait passer par là. C'est une impasse, c'est ça? Oui, c'est une impasse, c'est un piège à con. Je me suis rendu directement. Ah mais putain, Corvo, là tu vas pas me dire que tu peux. Allez, allez, voilà, on monte. Allez, on monte. Hop. Hop là. Bon, on attend que ça se recharge. Allez, vas-y, vas-y. Ah, il manque un petit chouïa. Oula, attendez. Oh, 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 oh. Ah, non. Ah, j'ai l'impression que ça traverse. Ah, là, c'est bon. Par contre, oula. On va tout droit, Snake. On va tout droit, Snake. J'ai peur.
On va prendre... Voilà, j'ai peur. Voilà, on va prendre le pouvoir, hein, c'est plus facile. On va monter sur les toits tel un chat une chatte sur un toit brûlant. Référence d'un film que je n'ai jamais vu mais que tout le monde connaît de nom, du coup bah je fais la référence. En plus c'est un chat, c'est un félin, du coup Kat ne peut que m'approuver. C'est la Kat s'améliore. Genre je peux pas aller jusque là. Je suis sûr qu'il y avait des sorcières ici. Putain, je connais le jeu presque par cœur des fois je l'oublie, mais là je... Mais pourquoi... Mais... C'est pas moi qui l'ai tué la sorcière, on est d'accord. Elle était déjà morte, hein. Mais pourquoi une sorcière, elle est morte, là? Elle a dû se faire tuer par les gardes, mais d'habitude... What? Bah il y a toujours une sorcière, là. Delila. Elle a bloqué ce chemin, là. Ok. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas le cœur. J'allais sortir le cœur pour savoir où était la rune. Je veux que la voie à l'arrière de la tour soit barrée au cas où quelqu'un d'entre eux connaîtrait la sortie secrète de l'ancienne impératrice. Travailler toute la nuit si nécessaire. Ah, ça, c'est des gars qui avaient son or. La connasse. C'est bon. Elle a bloqué avec des plantes. Genre, elle a poisonné la vie. Alors, l'âme sangsue. Ah, ça doit gagner de la vie à chaque fois que tu fasses des coups. Ça, je suis sûr, c'est un truc ça. Ça s'appelle sangsue. Et c'est un gros l'âme sangsue. Vous gagnez de la santé quand vous vous tuez ou blessez quand votre... Oh, Snake, t'es trop un PGM. En même temps, c'était facile à deviner, faut pas... Franchement, faut pas être con pour le deviner, ça. Snake, c'est pas vraiment un truc de fou ce que tu viens de apprendre. Bon, alors, je pourrais passer par la grande entrée principale, mais vous savez bien que moi, j'aime bien toujours passer par les arrières. Oh, microphone, je peux l'utiliser. Difficile annonce. Attends, déjà, on va... Attends, ne rien dire. On va sauvegarder et je peux rediffuser une annonce qu'avec le, comme avec chez le Duc Abel. Alors vas-y. En tout cas, où je fais une connerie, je sauvegarde. Attends, je range mon épée pour être plus en haleine. Voilà. J'espère que tout le monde. Delila est une connasse. 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 Voilà, c'est bon. C'est mon message. Elle l'aura entendu. Citoyen de Dunwall, j'ai œuvré à la protection de cette ville de longues années durant. Mais j'ai échoué et Delila s'est emparée du trône de ma fille. T'as échoué, t'as joué, elle a triché. Le règne de l'usurpatrice n'a fait qu'apporter souffrance et destruction. Mais je suis de retour et je ne connaîtrai pas le repos tant que l'impératrice légitime n'aura pas retrouvé sa place et que la stabilité et la sécurité n'auront pas été restaurées. J'en fais le serment solennel. Ah merde, j'ai fait venir des sorcières du coup. Faut que je me cache. Mais vas-y là tu. Au secours, elles arrivent d'où? J'ai peur. Au secours, les abonnés, j'ai peur, venez me sauver. Moustique. Je sais pas, j'appelle Moustique Cats. Quelqu'un. Je peux pas aller sur les cheminées, je sais pas, bon, d'arriver, c'est la première fois que je fais ça. Oh putain. Allez, bonne nuit les petites. Ah. Oh putain, celle-là elle est belle. Oh, oh, je la laisse là. Oh, je la laisse là. Elle est mienne. Ah. Merci les abonnés, je suis sûr que c'est grâce à vous. Merci Wissik, merci Kat. Ils m'ont aidé sans le savoir. Ah. Mettez un pouce bleu, s'il vous plaît. Mettez un pouce bleu. Ah. Oh, je m'étouffe tout seul. Oh putain, j'y attendais tellement pas. Oh putain. Oh, j'étais dans le petit coin. Ça m'a caché quoi. Oh putain. Oh, c'était... Oh, j'en peux plus. Ah, oh, ça m'a fait... Putain, j'étais juste caché là dans le petit coin et ils m'ont pas vu. J'étais en train d'être paniqué parce que j'avais jamais fait ça. Je savais pas où elles allaient arriver. Et les connasses, elles sont même pas vu j'étais dans leur dos. Je crois même qu'il y en a une qui s'est tournée vers moi pendant un moment. Elle m'a pas vu. Ah, oh, putain, c'était drôle. Oh, du pognon. Hop. Et en plus, je gagne du pognon. Ça, c'est mérité, ça. Ah, mais oui, la dernière fois, on était passé par là lors de l'épisode 1, rappelez-vous-en. Oh, mais hop, il y a même ça.
Du coup, hop, ok. Ah ouais, on était sorti d'ici, je crois. Je sais plus. Peut-être. Je vais des conneries. Ah, on avait sauté là et on avait mis KO les gens aussi. Ouais, je m'en rappelle. Oui, oui, c'est ça. Du coup, alors attendez, parce qu'il y avait juste une solution d'Adémir qui était chez le docteur Galani que je vais récupérer vite fait. Voilà, et on va passer par le canal parce que moi j'aime bien passer par les arrières, je l'ai déjà dit. Hop là. Hop là, voilà, c'est bon, on peut y aller. Oup. Pardon, en même temps, c'est un poisson, il pue des pourris. C'est pas grave. Bon, par contre, je comprends pas toujours pourquoi il n'y a pas de chien ici. Enfin, normalement, il y avait des chiens, ils étaient là-bas, on les a vus. Normalement, il y a d'autres chiens ici. Ou alors, les chiens, ils se sont réunis là-bas. J'ai pas compris. Des fois, je comprends pas des choses. Snake 530 est un peu con, hein. Faut le. De toute façon, vous l'avez compris, les amis. Bon, je rappelle que cette vidéo va durer une heure. C'est parti. Je sais pas si mon audio va tenir parce que vu comment il a coupé, ça se trouve, il y a eu plein de coupures. Quand je fais les. Je vous explique, je raconte ma vie, hein, je m'en fous pendant ce chargement. Mais quand je refais les montages, il y a plein de fois, presque à chaque enregistrement, à peu près, pas tous, mais à chaque enregistrement, mon audio bug. Il coupe une de mes phrases, c'est pour ça que des fois, peut-être vous l'avez remarqué, que ça saute. Je pars et toc. Je dis, je sais pas, oh ça me fait marrer, ah c'était trop drôle. Genre. Ils vous disent, mais pourquoi il dit, ça m'a fait marrer, ça coupe et ça enchaîne sur un rire. C'est parce que mon audio a fait une mini pause de quelques secondes ou de une minute, enfin de quelques secondes, 30 secondes. Du coup, ça a coupé la phrase, ça a repris après, du coup, je suis en décalage, s'il vous plaît. Et c'est très, 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 très chiant à recaler. Vous pouvez me croire. Alors, nous sommes dans le canal. Et pas le canal plus, la chaîne. Oh non, il y a avoir des putains de piranhas là-dedans. Voilà, attends, vite, 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 il faut. Nage vite. Allez, allez, nage vite. Pour ta vie. Ah ouais, putain. Ouf, je me mets là pour l'instant. Sur la bouée qui est à l'envers. Comment elle a fait c'est pour se mettre à l'envers, je ne sais pas. Bon, ça sert à rien d'aller par là, je suppose. Hein. Non, ça sert à rien d'aller par là. C'est parti. Allez, 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 allez. Oh, nage, nage, nage. Bon, je suis fait un petit peu mordre le cucu, hein. On a vu, hein, j'ai perdu un brin de vie. Mais bon, ça va mieux. J'ai réussi à monter là. Merde, il a bloqué le passage. Hop. Ah, on fait de l'escalade. Encore en escalade. Attends, réfléchis Snake. Oui, tu passes par là. Oui, oui, c'est bien. Merci d'avoir fait des petits trucs en métal pour que je puisse passer par là. Mais qui a jeté un meuble ici? Mais c'est dégueulasse, en plus c'est une très jolie commode. Bon, je sais qu'elle était pas très commode d'habitude, mais... Oh, mais attendez. C'est la prison. Mais oui. C'est Golden Bridge, non? Je sais plus. Je sais plus le nom de Disneyland, on s'est échappé ici, hein, me semble-t-il. Je crois, me semble-t-il, de mémoire. On peut pas y retourner pour voler des gardes. J'ai plus de gardes, de toute façon, il y a que de sortir. Je rappelle que cette vidéo va faire une heure. Je me le rappelle à moi-même, en fait. Hop, là, on monte là-haut. Parce que je rappelle que, connaissez-vous la chanson, prendre de la hauteur. Alors, bon, c'est la merde. J'ai repéré un mollo. Où il y a trois sorcières. Oula, oula. Du mollos. Ah, des gens de transformés en pierre. Comme avec ma pauvre Émilie. Bon, alors attendez, on va faire un truc. Déjà, on va détruire ça. Voilà, c'est fait. Quelqu'un nous tire dessus. Ah, elle m'a un peu vu là-bas. Ah, ah, elles sont venues directement sur moi. J'ai paniqué, chef. J'ai mis le clignement super loin, en dehors du truc. J'ai paniqué. Bon, après, je pourrais faire ça. Hop. Je
Et après je reprends. Oh putain, regardez tous ces tirs d'arbalète. Eh ouais. Ah non, tombe pas dans le feu, tombe pas dans... Et merde. Merde. Elles sont tombées dans le feu, j'ai pas pensé ça, le feu, j'ai vu après. Mais quel con. C'était tellement stylé. Quand je peux faire un truc stylé, le jeu il dit non, putain, franchement, elles auraient pas tombé sur le feu, c'était parfait. C'était stylé. Bon, malheureusement ça n'a pas fonctionné. Bon, alors on va essayer de faire quand même ça. Oh mais attends, mais je suis con. Mais attends, mais mais oui. Je fais ça, attendez, je vous explique ce que je fais. Je prends une mine par exemple. Je la mets là. Si elles arrivent sur moi ici. Ah, comme tout à l'heure. Si elles font exactement la même chose, elles vont toutes être mis KO. Hop, je me cache juste là. Alors je sais pas s'il s'est passé, on a rien vu, on a juste entendu des bruits. Excusez-moi, encore un bug audio. Je disais, oui, alors je sais pas ce qui s'est passé, on a entendu des bruits. Mais ces bruits, si vous éteignez votre écran, vous mettez juste le son, ça pouvait inciter à penser à autre chose. Je ne vais pas dire quoi, je vous laisse réfléchir. C'était chelou. Oui, c'est bon. Oh putain, ils sont là, d'accord, j'ai eu peur. Sans connaissance, c'est parfait, ça a marché. Elles sont toutes pika ici. Je peux récupérer ou pas? Non, il a fonctionné deux fois, du coup je peux pas récupérer. Mais bon, voilà, il y a toujours... Oh, mais ouais. Eh, 3 KO, eh, ça a marché. Le Snake 5130, il est là ou pas? Hein? Oh là là, par contre, elle était dans une bonne position, j'aurais dû la laisser celle-là. Mais bon, j'aime bien les mettre alignées comme ça. Comme ça, je suis sûr qu'elles sont toutes sans connaissance. Ok. Elles sont pas mortes, elles sont sans connaissance. Mais en tout cas, ça a marché. Magnifique. Parfait. Ah, attendez. Ah, ça chante là-bas, mais on s'en fout. Oh, ils sont en train de brûler tout, mais franchement, mais arrêtez de saloperir Dunwall. Putain, mais je vais tellement leur marrer ma gueule. De toute façon, j'ai décidé de toutes les mettre KO. Elles veulent être avec Delilah. On va toutes les mettre KO avec Delilah. Par contre, je suis très curieux, je vais vous montrer quand même que c'est la merde. Putain, j'ai jamais passé par là ou c'est moi? Ah oui, c'est faut passer par là. On va pas passer par là. Ils font des incantations. Des incantations. C'est un coup de Delilah. Ouais, tout le monde en pierre. Elle est un peu cheatée, hein. Moi j'ai pas de pouvoir de pierre. Même avec avec la deuxième personnage, t'as pas le pouvoir de pierre. Hein. Elle est vraiment cheatée celle-là. Ah, elle a mis des plantes qui puent. Oh, y a un chien qui est mort. Bon, à part. Y a que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon bah écoute, voilà, c'est parfait. Bon bah voilà, je voulais vous montrer juste que voilà, elle a transformé des gens en pierre. Ah, il y a juste un mec qui est pas mort. Il y avait pas un mec de vivant ici la dernière fois. Ou alors j'ai rêvé. J'ai cru qu'il y avait un mec vivant la dernière fois ici, j'étais venu. Alors attends, est-ce que je voudrais bien monter là-haut moi? Mais non. Oh putain, mais... Ça va, ça m'a pas utilisé d'énergie. Oui, hop là, j'ai fini. Ombre et nuance creusant et craquant sous le pilon accouche d'un noir pénétrant. Ah ouais. L'humain tamisant et l'humain. Voilà, ça fait beaucoup de femmes qui chantent. Vous faites une chorale? La chorale s'appelle merde, comment on dit sorcière en anglais? Witch, c'est ça? Witch? C'est witch? Bon, ça va être The Witch on the Beach. Alors, on peut soit traduire par les sorcières à la plage, soit les sorcières sont des pu... traduction approximative connaissant mon anglais. Je fais une sauvegarde rapide, la sauvegarde de l'acheter. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, je vais faire ça. Six mains d'amusant et six mains mélangeant produisent. Hop. Excusez-moi, mademoiselle. Hop. Merde, il faut l'autre. Et celle-là. Voilà. C'est bon?
chaos. Ça a marché ou pas? Je pense que oui, mais je suis pas sûr. Oui, c'est bon. Sans connaissance, c'est bon. J'ai récupéré la carte anesthésiant. C'est bien que je puisse récupérer les cartes anesthésiant grâce à mon charme d'os. Parce que ça m'aide pas mal. Oh, cette dame! Oh, elle est tellement bien posée sur son petit tabouret. Enfin, son petit... oui, c'est... Non, enfin, c'est pas un tabouret, c'est une... Merde, une petite... Comment... Une petite... Un escabeau, je crois que ça s'appelle. Lina, ton après... Bon, je vous laisse lire en faisant pause, bien évidemment. On va éteindre ça, quand même. Oui, bah, c'est bon. Bah, écoute, en plus... Oh, putain, il y avait une solution d'Ademir. Merci. Du coup, ça, c'est bon. Tout est bon. Ouais, bah c'est bon, j'étais stylé là, j'ai fait des trucs stylés. Voilà, attendez. Ah, il y a un charme d'os ici. Étoile filante. Oh, j'ai envie de savoir ce que c'est. Étoile filante, c'est la spéciale Disney. L'étoile filante, l'étoile bleue. La chute assassine restaure du mana. Ah oui. Mais est-ce que la chute assassine ça compte comme. Faut la tuer? Ah bah tiens, je me disais aussi, il va rester quelqu'un ici. En la tuant ou en. En mettant KO. La chute assassine avec la patate ou la chute assassine avec avec l'épée. Excusez-moi, j'étais attendez, où est-ce que j'ai mis les autres pas mes cadavres mais mes autres sorcières. Ah, elles sont là. Par contre, je suis un peu con, je les ai mis devant la porte. Bon, hein, personne n'ira les chercher devant la porte. Je pense. Je suis pas sûr mais bon, alors du coup, il reste encore des sorcières ici. Il y avait pas un chien. Ah! Et un molos de ses morts. De merde. Une demoiselle ici. Ils font chier parce que je vais devoir beaucoup utiliser le pouvoir du arrêter le temps et ça coûte du mana. Et. Hop là. Je vais passer par là. Excusez-moi. Toulou. Y'a rien là-dedans? Non, y'a rien. Oh, on passe. On contourne. Y'a rien ici? Oula. C'est dangereux ça. Ouh là là. Ah, rappelez-vous-en, dans 10h01, on revient aussi ici, et ici, normalement, il y avait des tall boys. Oh, madame, je vous avais pas vu, excusez-moi, je vous ai dérangé pendant votre vue, vous regardiez la vue, elle était jolie. Parce que moi, j'avais pas une très jolie vue de vos fesses, mais... C'était joli quand même. Merde. Est-ce que je peux monter là? Merci. Voilà, mademoiselle. Bon, je sais que vous êtes une sorcière, ça marche pas, c'est moins drôle qu'avec les gardes parce que vous pouvez vous téléporter en bas. Mais quand vous allez vous réveiller, vous avez une jolie vue sur les étoiles. Ou sur le soleil, ça dépend à quelle heure vous allez vous réveiller. En haut de ma tour, je suis bien là. Il y a un crétin de chien. Oui, juste avant l'aube. Ce chien. On va sauvegarder, sauvegarde de la lâcheté. Allez! Voilà, merci. Alors attendez. Oh là là. Oh là là. Oh là là! Attention! Oh! Hop là! Et toi, saloperie de chien, salut! Voilà, ça c'est fait. Ouh merde, j'ai fait venir des gens. Ils m'ont découvert le corps, non? Ah, il y a quelqu'un qui a entendu un bruit, mais... Eh merde. Putain, mais elle m'a brain la fille, parce que je me suis dit, il y a quelqu'un qui m'entend. Du coup, bah, je regarde où elle est, mais elle est pas venue, et qu'au moment que je me barre pour prendre le corps et que je reviens, bah... Bah elle est venue. On recommence, c'est parti. Hop là, déjà. Voilà.
Attends, hop. Et vas-y, prends le chien. Voilà. Normalement, il a rien entendu du coup l'autre. C'est bon, ça a marché, Snake. T'es bon. Voilà, fallait juste que je casse la tête du chien, du crétin de chien, un peu plus loin. Excusez. Oui, Snake. Oui, je sais, ça ne sert à rien. Mais c'est drôle. Attendez, l'autre corps. Attends, faut que je fasse gaffe parce que j'ai l'impression qu'il y a une fille qui panique un peu. Ça y est, elle a plus vu ses copines sur le pont. Elle a pété un câble, je crois. Voilà, en tout cas, voilà. Bon, ça a marché. Ça a bien fonctionné. Le crétin de chien est mort. Et du coup, c'est qui m'a entendu? Elle est où? Elle est où la femme qui m'a entendu tout à l'heure? Il y a bien quelqu'un qui m'a entendu. C'est pas une fille de super loin ici qui m'a entendu, qui a entendu le chien quand même. Si? À cette distance? Voilà. Il y a personne? Ah! Peut-être elle? Je vous en... Oh putain, est-ce que je peux... Veuillez m'excuser, je vais tenter un truc. Yeah! Paf! Oh putain, en vrai, elle serait morte! Je serais mort aussi, je pense. Oula, attention, attention le feu. Parce que ça, le feu ça brûle, hein. Oh, tiens, on va manger un petit bout de rat aussi. Parfait. Oula, attention, il y a de l'eau. Ça... Oula, il y a un chien là qui va apparaître si je me rapproche trop. Oula, il y a trop de trucs ici. Oula, là, là. Je vais l'éloigner un petit peu de cet endroit là parce que. Mais en tout cas, ça marche. Et putain, vous avez vu la hauteur, les gens? Oh là là, ça doit faire mal. Elle a plus rien là. Je vais tomber sur les côtes. Je vais tomber. Oh là là, ça a dû faire très mal quand même. Je pense pas que j'aurais survécu. Alors, peut-être Corvo aurait survécu avec bon les genoux pétés. Mais elle, je sais pas si elle aurait survécu. Ouais. Hop là. Alors rappelez-vous-en, ici c'est là où on remontait avec le bateau lors du premier épisode de Zone 1. Elle parle toute seule. Impossible, personne ne s'est aventuré sur le vrai Naven depuis longtemps. Elle parle toute seule, la dame. Alors ce n'est rien, peut-être un bateau à la dérive. Elle parle toute seule, la dame. Ah oui, c'est vrai, la vision de Zone 1, elle marche pas, c'est trop. Ah, elle est là. J'avais pas vu, elle était cachée. Elle était noire sur noire en même temps. Il n'y a plus d'espoir. Alors attendez, parce qu'il faut que j'attende qu'elle soit bien placée. Parce que moi, je veux bien faire un saut de cabri juste. Oh, quoique. Sauvegarde de la lâcheté. Il y a beaucoup de sauvegarde de la lâcheté en même temps. Il y a des trucs stylés qui arrivent en même temps. Alors quand je fais ça, alors. Hop là, attention. Et voilà. Oh putain. Cette patate. Oh mon dieu, c'était jouissif. Tiens, on va la mettre là. Putain, comment je vais tomber. Oh, c'est dommage, on peut mettre le drapeau de Dunwall. Ça aurait été un petit easter egg. Bon, ça aurait servi à rien, mais ça aurait été marrant. L'écluse. Gna. Je vous laisse lire en faisant pause. Bien évidemment. Eh, hey, Snake il fait des trucs pas trop mauvais. Bon, ça sert des fails. Mais en même temps, si vous regardez cette chaîne, vous savez bien que les fails, tu peux pas m'en passer. À un moment, il y a toujours des fails. Hop, j'ai atterri sur le matelas pourri. Mais ça va, pour pas trop mal ce que je viens de faire. Pas trop mal. Attendez, est-ce que j'entends un charme d'os? Alors, glissade véloce. Ah, bah ça, c'est pour la glissade. Non, sans déconner, Snake. C'est écrit glissade véloce, tu penses que c'est pour la glissade? Oh, vous glissez un peu plus vite. Déjà qu'on a une glissade qui dure 30 ans. Alors si on glisse un peu plus vite maintenant, c'est magnifique. Attends, par contre, il n'y avait rien. Tu viens là, mais c'est pour rien. Enfin, c'est pour rien. Si vous voulez que vous sachiez un truc, eh ben, c'est ici que Dode, eh ben, il s'est caché pour orchestrer l'attentat de... Enfin, le meurtre de l'impératrice. Normalement, il était là et ils arrivaient de l'autre côté. Rappelez-vous-en, les mecs au masque de psychomantis. Masque à gaz. Masque vénitien. Et dans un 19-1, apparemment, j'ai vu un. Je sais pas si c'est un glitch ou je sais pas comment ils ont fait, mais apparemment, tu peux, via un glitch ou un truc comme ça, utiliser tes pouvoirs, arrêter le temps et aller de ce côté-là et voir Dode et préparer son coup et tout ça et le tuer et tout. Mais je crois que c'est un espèce de glitch ou un mode, je sais plus. J'avais vu ça sur. Sur YouTube! Alors là par contre. Voilà, par contre faut pas que je laisse ce tableau entre les mains de quelqu'un. Mais par contre il y a beaucoup de chiens qui vont apparaître. Du coup.
Attendez, on va tirer. Je suis pas sûr d'être dessus. Ah, c'est bon, je suis dessus. Ça fait pas apparaître des sorcières? Non, apparemment. Une fois que tu sais comment ça marche, les chiens, bah ils te font plus très peur, hein. Parce que tu te dis, oh putain, déjà que les chiens c'est relou, ils peuvent te sentir. Bon, après, j'ai une charme d'os qui me permet qu'ils me sentent plus. Mais bon, dès que tu sais comment tu exploses leur crâne, eh ben c'est bon, ils vont plus revenir. Ils font moins peur d'un coup, hein, les chiens. Alors que les chiens normaux, bah c'est pas la même chose parce que eux ils font pas dodo dans les crânes quoi. Ils sont toujours actifs et ils peuvent te sentir. Enfin, si t'as pas charme d'os, ils peuvent te sentir. Ils font un peu plus peur quand même. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Il y avait rien intéressant. Ah, il y avait un autre charme d'os. Il y avait un autre crâne là. Est-ce que je prends le risque? Oui. Je vais pas laisser ces chiens. Oula, oh bah tiens, il y avait un carreau qui était tiré là. Ah bah attends, je peux récupérer mes carreaux, bah c'est bien ça. Oui, c'est bien. Mes carreaux, comme si je les ai renforcés, ils sont pas cassés. Hop là. Hop là. Et hop là. Bon, bah, alors, rappelez-vous-en ici où on se trouve. Ça rappelle les souvenirs. Delila avoue une haine sans limite à Jessamine. Putain, là, regardez-moi, elle a écrit des trucs. Bon, c'est en anglais, c'est pas sous-titré. Ils auraient pu sous-titrer parce que ça, bon, en même temps, ça dit sûrement que des méchancetés sur Jessamine. Jessamine, j'aimerais tant te serrer dans mes bras une dernière fois. Et moi donc. Bon, voilà, c'est là qu'elle a été. C'est là qu'elle est décédée, hein. Merci de me le rappeler, hein. Bon, voilà, on se tient quand même un peu. Ah, sur sa tombe. Ah, attendez, est-ce qu'il y a des connasses ici? On le sait. Oh putain. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais oh, Corvo! Merci. Ah! Et d'accord, mais c'est pas possible. Je peux pas. Alors, je vous explique, il y a le muret là, je peux pas aller dessus. Ah, ça y est. Ah non, je glisse. D'accord, alors je glisse pour une raison qui m'est obscure. Oh merde! Je ne le laisserai pas s'enfuir. Ah, il y avait quelqu'un. Mais j'ai activé le charme. J'ai activé ma vision des ténèbres. Oh merde, ça a repris que là. Bon, j'ai activé ma vision des ténèbres et on a bien vu qu'il avait repéré personne. Parce que elle va à plus de 2 mètres la vision des ténèbres. C'est magnifique. J'adore cette vision des ténèbres dans ce jeu. A few moments later. Ah bah elle est là la demoiselle que je cherchais tout à l'heure. Madame, vous faites un petit peu chier. Voilà, c'est dit, c'est fait. Voilà, vous m'avez fait un petit peu chier tout à l'heure. Il faudrait que je vous cache. Oh, je pourrais tellement vous balancer. Mais je suis pas comme ça. Je vais pas vous... par contre, vous avez pas passé par là parce que c'est quand même... Là où il y avait... Il y a le... tombeau de Jessamine, s'il vous plaît. Hein, enfin, là où elle est décédée. Hop là, je vais vous mettre là entre les chiens. Tiens, dans une cage de chien, tiens. Parce que vous êtes une chienne de bannière. Voilà. Ça, c'est fait l'insulte. Ça s'est placé. Attendez. Oh, comment on remonte? Monte sur le tuyau. Je parle pas de mad. Je parle pas d'autre chose qui est dans mon pantalon. Monte sur mon gros tuyau. Voilà. Est-ce que je peux avoir une vue de là-haut? Oui. Bon, il y a des plantes qui ont poussé, mais j'ai une belle vue. Il y a le crétin de chien qui est là. Il y a ces deux sorcières de merde. Et il y a une sorcière qui est là. Non, il n'y a pas de sorcière ici, apparemment. Excusez-moi, hein, je ziote l'endroit. Je sais que c'est un peu chiant. Mais bon, là, il y a un petit peu du peuple. Peu de monde. On va faire une sauvegarde de la lâcheté parce que je sais qu'il y a deux sorties à l'intérieur. Oui, je vous ai spoil sans agrément. Les algues sont sèches. Elles sont plus faciles à ramasser. C'est moins salissant. Elles ont gardé leur odeur. De quelle quantité d'algues? Yes. Que maîtresse Delila a-t-elle besoin? Et pour en faire quoi? Tu peux me le dire, je n'irai pas le répéter. Une quantité raisonnable. Et si tu me promets de tenir ta langue, je veux bien t'éclairer.
C'est pour sa nouvelle œuvre, une peinture capable d'éclipser toutes les autres, d'après elle. Elle prépare une magie encore jamais vue. Que pourrait encore souhaiter notre maîtresse après avoir conquis Dunwall Tower ? Delilah veut le monde tout entier, ma chère, avec ses océans et les étoiles du ciel. Ah bah, faut qu'elle fasse un vaisseau spatial, alors si elle va aller jusqu'aux étoiles, hein. Déjà que c'est pas une lumière. Je sais pas si elle va conquérir les étoiles, hein. Je me demande si sa pote va voir que je vais tomber sur sa copine. Paf! Oh la patate, ça fait mal ça, hein. Tiens, elle va avoir des étoiles en tout cas ta copine, ça c'est sûr. Et toi, oh dodo, tu vas aller aussi faire une bonne nuit. Voilà, il fait dodo, c'est la nuit, faut aller se coucher. Allez hop. Très joli gant rouge, petit en passant. Bon, au moins il y en a une qui a vu les étoiles. Si c'est pas Delilah, ce sera une de ses sorcières. Oh putain, par contre, comment je l'ai mis violemment à terre. Corvo, il est pas content. Hein. Tu m'étonnes, en même temps, t'as vu dans le boule comment c'est la merde. Alors attendez, parce que moi je suis venu là, c'était pour voler quelque chose. Alors attention, hop, on passe par là. Oui, je sais, Corvo, il est pas très gros. Ah bah tiens, hop. Lire. Ah bah, je vous laisse lire en faisant pause. Voilà. Oh, c'était une rune, je crois que c'était un charme de ce qu'il y avait ici. Alors attends, parce que moi. Attends, si vous. Merde, je suis perdu. Attends, non, c'est pas là. Non, ça c'est. Oh, et sous les escaliers, il y a. Sous les escaliers, il y a pas un monstre, il y a Corvo. Voilà. Voilà. Ah, c'est bon. Ah oui, et là je peux passer. Je peux passer sous la flotte. Hop là. Yes. Oh oui, ça c'est beau ce que je viens de faire. Ouh, j'ai contourné tout le monde. C'est pas mal. Alors attends, est-ce qu'il y a du... Il y a une sorcière. Ah, il y a une sorcière là. Putain, elle est en face de tout le monde. Ah bah, il y a une copine. Il y a une de ses copines qui vient la rejoindre. On va sauvegarder. Sauvegarde à la lâcheté. Il y a beaucoup de sauvegarde à la lâcheté, je sais, mais maintenant je me fie. Attends, est-ce que je vais tomber moi? Ah, elle arrive tout droit dans mon piège. Vivement le mois des filets. Le mois des filets. Ah, j'espère que je vais pouvoir me retourner. Frais, c'est toujours mieux. Ah merde, sa copine. Ah merde, sa copine s'est retournée pile poil au moment que je mettais sa copine KO. Ah, c'est vraiment dommage parce que l'autre, alors regardez quoi, tout droit devant elle et ça s'est pas retourné, c'était parfait. Ah non, est-ce qu'il y en a une autre là? Qui ça peut être? Ah, il y en avait trois. Évidemment que je les ai que... Putain, il y en a trois. Et l'autre, il est où l'autre? Ah putain, mais ils sont nombreuses. Non. Merde, elles sont... Reviens ici. Reviens là. Voilà, un petit bisou. Mouin. Elles m'ont pas vu. Ouh, c'est passé. Elles m'ont pas vu. Bon, elles ont vu mon petit cul, elles ont vu une ombre, mais elles m'ont pas vu moi-même. Ah ah. Ça a fonctionné, mon plan s'est presque déroulé sans accroc. Voilà, ça c'est parfait. Du coup, elles sont où? Elles sont toutes les... Ah, d'accord, il y a le chien qui est venu ici. Il y a une qui est venue... Oh là là, il y a du monde. J'ai envie de toutes les mettre KO parce que c'est pas possible de les laisser ici. C'est parti, patate. Hop, allez hop, au dodo. Ah merde, bah vas-y, au dodo. Il loue le chien. Faut que je retrouve le chien. Et le chien, il est crevé. Saloperie. Ouh. J'en ai profité. Ça a fonctionné. Ouh, je suis en sueur. Ça, heureusement que le chien m'a un petit peu entrevu, mais hop, c'est bon. De toute façon, on s'en fout, c'est un crétin de chien, m'a repéré. Katz vous le dira. Ouah, ça a fonctionné. Toutes les sorcières sont KO. Il reste plus une sorcière qui est réveillée, normalement. À part celle-ci qui s'en fout de ce qui s'est passé.
Alors, à part celle-ci, qui s'en fout apparemment de tout ce qui se passe autour d'elle. Elle a entendu ses copines qui paniquaient et tout ça, et qui faisaient leur ronde. Oula, pardon, excusez-moi, je vous ai mis une petite bouteille dans le cul. Ça se trouve, elle y est habituée, on connaît pas sa vie personnelle. Mais apparemment, elle a explosé, du coup, ça fait beaucoup de trucs en verre. Et du coup, c'est bon? Y a plus personne? Putain, ils sont en train de brûler quand même le château. C'est bon? Il y a une malle et il y a rien, putain. Bon bah écoutez, c'est parfait. Ça a fonctionné, tout le monde est KO, y a plus une sorcière, je vais vérifier quand même un petit coup, mais... Il y a plus personne, hein? Ah mais si, heureusement que j'ai fait un petit tour quand même. Voilà, mademoiselle, excusez-moi. Je vous interromps dans votre moment de fainéantise, hein, on peut se le dire, hein, vous travaillez pas beaucoup, hein, pendant que toutes vos copines sont en train de faire la ronde et tout ça, de chanter, de faire des incantations. Madame, regarde la vue. Voilà, pas de chien, j'ai dit, fini les chiens, crétin de chien, comme dirait un certain Katz. Bon, et ben voilà, et ben écoutez, c'est parfait, on va rentrer dans le château. On va rentrer dans le château. Enfin, faire le ménage. Parce qu'on va pas laisser quand même ces sorcières en vie. Excusez-moi, je rentre là parce que je vais récupérer la solution d'Adémir qui était là. Hop, petit pâte, heureusement j'en suis souvenu. Bon voilà, et bien écoutez, cet épisode c'était plutôt pas mal passé, hein. Je pensais qu'il allait y avoir plus de fails que ça, parce que vu comment ça avait bien commencé, je me suis dit ça va faire, le jeu va être encore salaud. Ça va, il y a eu des fails, certes, c'est vrai, mais ça, en tout ça s'est plutôt pas mal passé. Et bah ben, là c'est parfait, on rentre dans... à l'intérieur de Dawnwald enfin, et on va aller mettre une patate dans la gueule à Delilah dans le prochain épisode. Voilà, ça fera des épisodes un peu longs, mais bon voilà, maintenant c'est bientôt la fin. Je rajoute un petit peu de longueur, on va dire. Et nous voilà à Dawnwald Tower. Oh bah tiens. Des figues pourries. Mais elle a passé beaucoup de temps dans la petite chapelle du superviseur. Qu'est-ce qu'elle trafique là-dedans? Elle a dû trouver amusant de convaincre. Est-ce que je peux posséder des sorcières juste pour savoir? De mélanger ces pigments là où ces imbéciles prêchaient leurs inepties. Ah, apparemment, elle pourrait être. Elle du trône pour commencer son nouveau tableau. Il y a Delilah qui fait un truc à la chapelle. De l'avoir commencé une peinture ou une sculpture. Oups. Vrai, ouais. Mais celle-là est différente. Delilah a dit qu'elle allait tout changer, le monde et toutes les sphères au-delà. Je te mets au défi d'aller jeter un coup d'œil. Oh, je vais jeter un coup d'œil, t'inquiète. Ouais. J'étais pas sûr de pouvoir. Quoi? Ah d'accord, je me suis blessé. J'ai blessé le perso parce que j'ai dû tomber sur les flammes. Et au dodo, madame. Bon, je vous ai un petit peu blessé. Vous aurez une mini coupure. Je sais pas ce que je suis fait. J'ai dû marcher sur un bris de verre. Mais bon, voilà. Elle s'est pas dit. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te barres comme ça? Allez, vous avez froid? Vous avez froid au cul? Vous vous réchauffez le cul? Eh ben, moi, je vais vous refroidir ici. Voilà. Je vais pas vous refroidir en vous tuant, mais ça aurait pu marcher si je vous aurais tué. Je vous aurais dit, je vous aurais refroidi. Mais bon voilà. Bon écoutez, voilà, on va s'arrêter là. On est rentré dans Dawnwald. On sait que... Oh putain, le bordel qu'elle a foutu, bordel de merde. Ça m'énerve ça par contre. Bon, on sait que maintenant Delilah prépare quelque chose à la chapelle. On va aller voir ça. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu quand même. Parce que bon, il y a quelques pouces bleus quand même qui se méritent, j'ai envie de dire quand même. Légèrement. Mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, c'est Kratos. Et nous, on se retrouve pour le prochain épisode sur Dishonored 2. Avec une grosse patate qu'on va mettre à Delilah lors du prochain épisode. Voilà, salut tout le monde et portez-vous bien.